Ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, l'édition de ce lundi 18 mai 2020. Les titres pour commencer. Maudit soir à qui voudra tenter toute fraude électorale. Message de Pierre Nkurunziza au cours du dernier meeting de son parti. C'était samedi. Cette mise en garde incarne, selon le parti Iprenano, reconnu par le pouvoir de Gitega, une fraude électorale et une menace envers ses concurrents dans la course électorale. Et la Commission de l'Union africaine et le secrétariat des Nations unies sont préoccupés par de violents affrontements entre les militants des partis politiques. Ils appellent les autorités burundaises à garantir des élections paisibles et consensuelles. Et vers la fin de ce journal, vous aurez à suivre le mini-magazine au cœur de la société qui sera consacré aux préoccupations de certains autres acteurs politiques face à l'organisation des prochaines élections. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue, plus que quelques heures pour les élections générales du mercredi 20 mai. Le dernier jour de campagne pour les candidats aux différents scrutins était dimanche. C'était le cas de ceux visant le poste présidentiel. Les uns et les autres étaient plus centrés sur les remarques que sur les projets. Franck Kazé a scruté les discours de 3 des 7 candidats à la présidentielle. Suivez. Agathon Gwasa a choisi la capitale politique pour terminer sa tournée pour séduire l'électorat. À Gitega, le candidat du parti CNL a particulièrement insisté sur un point. Il a appelé tous les acteurs impliqués dans les scrutins à respecter le choix du peuple. Icho dusaba nuko yaba umutegetsi. Ce que nous demandons est que ce soit une autorité, que ce soit un policier ou un autre membre de force de l'ordre, que ce soit les agents de CECI, des CEPI ou de la CENI, les différents tribunaux, sans oublier la Cour constitutionnelle, ce que nous leur demandons à tous est qu'ils respectent le choix des Burundais. Nuko bubahiriza ingingo abarundi bazopfundika. De son côté, Évariste Ndayishimiye, le choix de la fin de sa campagne s'est porté sur sa localité d'origine. Le poulain du parti CNDD-FDD a tenu à rassurer les natifs de la commune de Guéta, en province Gitega, sur l'issue de la présidentielle et sur l'avenir du pays. On l'a déjà dit que c'est nous les Bagumnyabanga qui vont faire quoi que ce soit pour que la paix, la démocratie et le développement soient considérés au Burundi. Nous voici actuellement réunis dans la lutte contre la pauvreté. Et cette lutte commence ici même à Guéta. Guéta qui a envoyé son commandant suprême. On n'a pas de doute, la victoire est garantie. Dès maintenant, nous voulons montrer que nous sommes forts au Burundi, que nous sommes capables de se développer par notre intelligence, par notre unité. Quant à Francis Rohero, il a préféré dresser le bilan de sa course devant la presse. Le candidat indépendant s'est dissatisfait sous divers angles, mais il a également dénoncé des couacs. C'est le cas de la volonté délibérée de la CENI de ne prendre en charge que les mandataires du CNDD-FDD au bureau de vote, une attitude selon lui contraire à la loi. Au début de la campagne, on a montré à tous les candidats qui vont se faire élire que les mandataires seront suivis par le gouvernement et seront aussi soutenus par le gouvernement. Mais ce dernier s'est retiré dans ce processus. Nous trouvons que le gouvernement ne s'est pas détaché par manque de moyens et surtout que cela montre que c'est nous les Burundais qui ont donné ces moyens. L'État dit aussi que les moyens sont suffisants, qu'il ne veut pas autre soutien. On trouve que c'est une autre occasion pour les dirigeants de vouloir qu'il n'y aurait pas autre mandataire que les mandataires ici du parti au pouvoir. Nous souhaiterions que les actes comme ceci soient interrompus. Malgré les imperfections de la campagne, dont des violences parfois même mortelles, tous y sont allés d'un vœu commun, que les élections présidentielles, législatives et communales se déroulent toutes dans le calme et la transparence.
Merci à Franck Kaze. Que personne n'ose tricher aux élections, sinon il aura affaire à Dieu. C'est l'avertissement de Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État remet le scrutin de ce mercredi 20 mai entre les mains de Dieu. C'était samedi, au cours d'une prière pour la bénédiction de la fin de la campagne électorale. Suivez. C'est toi qui as le dernier mot. Nous, nous sommes tes sujets. Mais dans les cieux, tu as déjà choisi et mis un signe sur ceux qui méritent de diriger le pays dans un contexte comme celui-ci. Et ce sont ceux-là que nous accepterons. Que personne ne se mette en travers de ton plan s'il ne veut pas en payer le prix. Dieu, c'est toi que nous appelons comme l'observateur des élections. Que personne n'ose voler s'il ne veut pas souffrir. Que personne n'ose perturber ces élections s'il ne veut pas en pâtir. Par ailleurs, tu nous as gratifié de la promesse de cette année, que tu vas détruire toute la puissance de l'ennemi du Burundi, qu'il soit au Burundi, dans la région, en Afrique et partout dans le monde. Les propos de Pierre Nkurunziza incarnent une fraude électorale massive que son gouvernement planifie. Lecture d'Emmanuel Nguengurutse, porte-parole du parti UPLONA, non reconnu par le pouvoir de Gitega. Pour lui, son message est adressé à ses concurrents, en particulier le parti CNL d'Agathon Rwasa. Suivez Emmanuel Nguengurutse. Pierre Nkurunziza a l'habitude d'utiliser, de faire un mauvais usage du nom de Dieu. Le Dieu qui, pour tout le monde, symbolise la justice, la vérité, l'amour, la solidarité. Bah, est-ce que ça caractérise la politique de M. Pierre Nkurunziza? Je ne pense pas. Et alors, ce message, il adresse, je pense, à ses compétiteurs, à ses concurrents, en particulier Agathon Rwasa et ses militants. Parce que Pierre Nkurunziza et son parti au sein des FDD ont une peur bleue envers Agathon Rwasa et ses militants qui drainent beaucoup de sympathisants et qui risquent de gagner les élections. C'est pourquoi je pense que ces paroles, il les donne pour couvrir une prochaine fraude électorale massive que son gouvernement est en train de préparer contre le peuple burundais, contre le futur vainqueur, qui pour moi, à regarder les foules qu'il draine derrière lui, sera le CNL. Et la Commission de l'Union africaine et le secrétariat des Nations unies sont préoccupés par de violents affrontements entre les militants des partis politiques. Ils appellent les autorités burundaises à garantir des élections paisibles et consensuelles. Ces organisations demandent au gouvernement de garantir la protection également de la population durant cette période contre la pandémie de coronavirus. Ces inquiétudes sont partagées par l'Initiative des droits de l'homme sur le Burundi. Dans un communiqué publié ce lundi sur l'inertie internationale alors que les tensions électorales se durcissent au Burundi, Karina Tatsakian, chercheuse au sein de cette organisation, regrette plutôt le comportement nuisible des membres de la ministre Imonela Kure qui collabore avec certains administratifs dans l'arrestation des membres des autres partis politiques. Suivez Karina Tatsakian. L'Initiative pour les droits humains au Burundi a publié cette déclaration pour attirer l'attention des acteurs internationaux par rapport à la violence qui est en train de s'intensifier au Burundi. Nous sommes à juste 2 jours des élections et il y a eu une cascade d'arrestations de membres du CNL, le principal parti d'opposition ces derniers jours. Et l'Initiative pour les droits humains au Burundi a également documenté depuis plusieurs mois des cas extrêmement graves de meurtres de membres du CNL, pour la plupart commis par des Imbonerakure, c'est-à-dire des membres de la Ligue des Jeunes du parti au pouvoir. Et il y a une impunité quasi totale par rapport à ces violations très graves des droits humains.
Malgré cela, nous avons constaté une sorte d'inertie au niveau international. Nous cherchons donc à les réveiller, à réveiller les acteurs internationaux, à leur demander de publier des déclarations très fermes condamnant sans équivoque les actes de violence politique et également d'engager des discussions franches avec les deux principaux candidats aux élections présidentielles, c'est-à-dire le candidat du CNDD-FDD et le candidat du CNL. Donnons la place à présent au mini-magazine au cœur de la société, produit par la Synergie des médias. Aujourd'hui, ce mini-magazine sera consacré aux préoccupations de certains acteurs politiques face à l'organisation des élections, des prochaines élections. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Thierry Biguelindavi. Les listes et fichiers électoraux n'ont jamais été publiés jusqu'à aujourd'hui. Certains candidats s'inquiètent également du fait que le parti au pouvoir a plus de militants au niveau des membres des bureaux de vote. Ils estiment qu'il y aura sans doute des fraudes électorales malgré que la Commission électorale nationale indépendante CENI tranquillise. Thierry Biguelindavi, je suis à la présentation de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 16 mai 2020. L'un des principaux adversaires du parti au pouvoir, le Congrès national pour la liberté, estime que la CENI a déjà planifié un hold-up électoral. Son président Agathon Rwasa évoque les cartes qui n'ont pas été distribuées, l'absence du fichier électoral et le plus grand nombre de membres des bureaux de vote qui sont des militants du parti au pouvoir, CNDD-FDD. En ce qui concerne les membres des bureaux de vote, le président de la CENI souligne qu'ils travailleront comme des agents de la CENI et non pas comme membres des formations politiques. Les membres du bureau de vote, ce sont les membres de la commission électorale. Ça veut dire qu'ils ont astreint aux mêmes règles, ils doivent absolument accomplir leur mission comme c'est indiqué, et surtout pas qu'ils ne pensent pas qu'ils vont obéir aux ordres des partis politiques. Parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, et les sanctions pour les membres des bureaux de vote sont toujours le double des sanctions de toute autre personne s'ils ont commis la même infraction, la même faute ou le même vice. Et pour les cartes, le président de la CENI demande aux électeurs et aux candidats d'être confiants. Dans toutes les élections, lorsqu'on distribue les cartes, il y a toujours des cartes qui restent. Ces cartes, le seul effet que ça a, c'est que les personnes qui se sont fait inscrire aux élections ne vont pas voter à 100%. Sinon, le reste, les cartes qui restent, il n'y a pas de souci. C'est que les gens n'ont pas récupéré pour diverses raisons. Ils ne récupéraient pas les cartes. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que la CENI doit veiller à ce que les cartes ne soient pas utilisées de manière frauduleuse. Le président de la CENI, Pierre Claver Kazihisse, indique que la liste électorale peut être consultée, mais que ce n'est pas du tout possible pour le fichier électoral. Parce qu'en fait, le fichier, ce sont les données des électeurs. On ne peut pas publier les données des électeurs. On ne peut pas publier, il n'y a pas d'exigence légale pour publier les données des électeurs. C'est plutôt les données personnelles, il est interdit de publier des données personnelles et les publier comme ça. Ce n'est pas possible. La liste électorale, oui. La liste électorale, oui. Parce que si on déclare que la liste est disponible, ça veut dire que toute personne qui veut consulter la liste peut venir. Je ne sais pas si vous faites l'idée de la taille de cette liste. Ce n'est pas quelque chose qu'on affiche comme ça et puis la liste et tout le monde voit la liste. Ce n'est pas possible. Parce que ça contient quand même 5 millions de noms. Le Congrès national pour la liberté estime que la Commission électorale nationale indépendante CENI n'est pas du tout impartiale. Dans un entretien accordé à la Radio France Internationale, de son côté, Domitien Ndayizeye, ancien président et candidat actuel aux élections présidentielles pour le compte de la coalition Kira Burundi, estime également que la CENI est partiale. Malheureusement, nous avons une CENI qui n'est pas neutre et cela risque de plonger le Burundi dans une période incertaine, si jamais cette commission continue à travailler comme nous le constatons aujourd'hui. Ce jeudi, la commission onusienne d'enquête sur le Burundi a également indiqué que la CENI ainsi que d'autres organes étatiques ne se montrent pas du tout impartiaux alors que des affrontements entre militants de différents partis politiques se poursuivent sur le terrain. Quelques traits du communiqué de la commission d'enquête sur le Burundi avec Bertrand Ndakuriyo de la radio Inzamba.
La commission se dit inquiète du déroulement du processus électoral marqué par des affrontements violents entre des membres des partis politiques en lice et de nombreuses arrestations d'opposants politiques, alors que des proches du parti au pouvoir continuent de bénéficier d'une impunité quasi totale pour leurs actes. Dodo Dien, le président de la commission, indique que cela fait pourtant des mois que la commission alerte les autorités burundaises et la communauté internationale sur le rétrécissement de l'espace démocratique, tout comme le manque d'indépendance de la commission électorale nationale indépendante, officiellement garante du bon déroulement de ces élections. Le président de la commission a révélé également que les élections du 20 mai 2020 ne pourront ouvrir une nouvelle ère de stabilité au Burundi que si le processus électoral est géré de manière pacifique et sécurisée en toute transparence et indépendance afin que les résultats puissent être considérés comme crédibles et acceptés de tous. Merci également à Thierry Biguininda. Terminons cette édition par ces informations brèves. Félicien Kabuga, considéré comme l'un des financiers du génocide rwandais de 1994, a été arrêté samedi 16 mai en France. Il était en cavale depuis 23 ans. Les associations des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda saluent cette arrestation. Elles rappellent que d'autres personnalités impliquées dans le génocide sont toujours recherchées. Félicien Kabuga est l'un des acteurs clés du génocide. L'homme d'affaires a notamment créé le Fonds de défense nationale, un fonds auquel abondent plusieurs hommes d'affaires destinés à soutenir le gouvernement intérimaire, à fournir les armes, uniformes et munitions aux miliciens Interahamwe. C'est lui qui présidait le comité d'initiative de la radio-télévision des Mille Collines, la RTLM, qui a appelé au meurtre des Tutsis et à la traque des opposants Hutus au régime à l'époque. Et rappelons également que les quatre reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 210 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils sont rendus en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndrubusa, Terence Mosesi et Jida Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.